Donc je suis Sylvain Millepied, compositeur de musique et notamment de musique de films et de films documentaires. C'est un documentaire de Stéphane Carrel avec qui j'ai l'habitude de travailler sur un danseur Stephen McRae qui est d'origine australienne et qui est danseur étoile au Royal Ballet de Londres. Et son histoire, c'est qu'il s'est rompu le tendon d'Achille en pleine représentation devant 2000 personnes et on lui a dit qu'il ne pourrait plus danser. Donc lui, ça, c'est son... il a voulu le suivre pour voir son travail de rééducation et le suivre pour voir s'il allait pouvoir réussir à danser. Et à travers cette histoire, il se rend compte aussi de son passé, de comment les danseurs sont suivis et puis d'essayer de penser à qu'est-ce qu'on peut faire pour que les danseurs ne se blessent pas à 30 ans en fait. Donc le cadre du documentaire, c'est principalement au Royal Ballet, donc tout son travail quand il commence à redanser en répétition. Voilà, et c'est vraiment un univers classique, donc le choix de la musique, c'est vraiment de se tourner vers un univers un peu, en général néoclassique, classique, voire baroque presque, au niveau du style, avec un aspect cinématique au niveau des textures que je pouvais mettre également. Voilà, trouver un petit peu les instruments qui pouvaient correspondre à ce profil de danseur. Et donc on a choisi deux instruments, le violoncelle qui avait cette noblesse et qui va très bien avec la musique classique et le piano qui va donner aussi un suivi, une profondeur. Donc pour le violoncelle, j'ai fait venir Benjamin Carra, qui est un professeur au Conservatoire de Bordeaux et qui a une immense carrière de soliste et qui est autant compétent en musique baroque classique qu'en musique contemporaine pour aller chercher des textures un peu cinématiques justement. Donc la violoniste, c'est Céline Carra, qui est professeure au Conservatoire de Bordeaux, qui a l'habitude de jouer un petit peu partout et qui a beaucoup l'habitude du studio et de faire des enregistrements de musique de film également. Au piano, c'est Frédéric Renoux qui est venu, qui accompagne les classes de danse du conservatoire, donc qui est un peu spécialisé, et ça m'intéressait parce que au-delà de ses capacités pianistiques et de sa sensibilité, il y avait pas mal de séquences en fait où j'ai pu le laisser libre et qu'il accompagne en fait en regardant les images, les chorégraphies ou les séquences, parce qu'il a cette liberté là en étant improvisateur aussi, de pouvoir se caler, d'avoir cette souplesse en fait qui donne beaucoup de vie à la musique. Clarinettiste est Isabelle Baquet, que je connais parce que j'ai beaucoup joué avec elle, et qui a un quatuor de clarinette pour lequel j'écris un concerto. Donc je l'ai fait venir parce qu'elle est aussi bien clarinettiste en si bémol que clarinette basse. Elle a les deux instruments et j'ai besoin de ces deux instruments dans ma bande-son. Donc je cherchais un studio qui pouvait correspondre à mon projet, c'est-à-dire un petit ensemble de musiciens, une possibilité de travailler sur des banques de sons, l'habitude de travailler sur la musique de film également, et qu'il soit dans la région bordelaise de préférence parce que c'est là où je connais mes musiciens. Donc on me demandait un mixage en 5 points, il fallait aussi qu'il y ait cette possibilité de le faire au studio, le travail sur l'image avec des télés où on puisse vraiment, pour les musiciens, s'imprégner un peu de l'atmosphère des images et puis se caler sur des séquences. Donc au studio du bassin, j'ai pu trouver le piano que je recherchais, c'était un Yamaha C6 qui est vraiment magnifique. Une belle pièce avec une acoustique naturelle. Il y a également une pièce de prise qui est traitée. Donc on a pu faire deux prises en même temps, notamment le violon, violoncelle qu'on a fait en même temps, où j'ai pu diriger les deux musiciens et ils me voyaient. Moi, je regardais les images, on a pu comme ça se coordonner. Donc il fallait aussi cette expérience de musique de film, de musique de cinéma. Le mixage en 5 points, donc le studio est équipé. Donc c'est vraiment un lieu où j'ai pu me prendre le temps et puis avoir tout ce dont j'avais besoin. Donc on est à la fin du mixage. Ensuite le film va partir en post-production avec l'étalonnage, le mixage complet du film. Une fois prêt, il va faire le tour des festivals et une sortie en salle début 2024 avec la bande originale qui sortira normalement au même moment.